Barre de fer. C'est pas le métal renforcé. Le métal renforcé à 180 c'était encore une aubaine. Donc. Enfin, à 150 c'est encore une aubaine donc. Mettre à 230, je pense. 230 ça me semble pas mal. Les pétales, j'avais pas mis de trucs donc chair de plomb, je vais mettre à 150, on verra bien. Le tissu, faut que je le garde impérativement. Et ça, et ça. Barre de fer, bon, on verra ça après. Là, j'en ai besoin. Les lentilles en verre, non. Je pense que je peux vendre le reste. Donc, déjà, je vais garder tout ce que j'ai sur moi. Enfin, je vais mettre. Je prendrai tout le tissu ensuite. Mais est-ce que j'ai besoin de l'avoir sur moi? Ou est-ce que j'ai besoin de juste l'avoir tout court, le stuff, pour le créer en fait? Parce que, imaginons, il est dans mon coffre. Est-ce que je peux quand même créer les items? Ou pas du tout? La question que je pose. De toute façon, on verra ça après. Il n'y a pas de souci, on verra ça après. Et tout le reste, on vend. Ça va me permettre de créer du stuff. On verra. Regarde le métal. Mais le métal, genre, j'en ai pas besoin du métal, genre. Attendez. Le métal, en gros. Ah si, pour l'épée. Un connard pour l'épée. Ah oui, métal renforcé, j'en ai besoin pour l'épée. J'avais pas mis dans. J'ai pas mis dans mes favoris. J'ai besoin du métal renforcé. J'aurais pas de thune là. Là sur ce rush, c'est aucune thune là. Non, oui, je suis en fou. J'en fous, j'en fous. Oui, hein, en plus, il y a une étoile dessus. Hein. Je suis totalement aveugle, c'est grave. Donc 300, c'était bien. Mais j'aurais pas assez de thune. Ouais, je suis un malade, j'allais vendre mon métal alors que. Alors, genre là, c'était le grid des thunes en fait. C'était tout simplement le grid des thunes. Ouais, bah là, je vais dormir pour attendre la journée et créer mes trucs. Hein. On va dormir et ouvrir notre boutique. Hein. On va dormir et ouvrir notre boutique tranquillement. Hein. Allez, go. Si c'est dans le cas, c'est ok. Voilà, c'est bon. Parfait. Donc, c'est le moment de la vente. Allez, let's go. Ça fait déjà 2 heures que je joue. Oh putain de merde. Quoi? Ah, elle a quand même pris. Trop cher, mais elle a pris. Ok, ah, pigeonne va. Ok, donc ça content, c'était normal. Normal. Là, ça s'était vendu la dernière fois à 110. Et ok, c'était parti. Ok, donc là pour l'instant, ils sont contents. Là, il faut juste optimiser les ventes. Ça, ça part aussi bien. Pas de soucis. C'est bon, t'inquiète pas, je te fais pas attendre. Trop cher les. Attends, faut pas que je lui change le prix. Merde, merde, merde. Je vais lui changer le prix devant elle, elle va être grave énervée. Elle va être grave énervée. Ah, c'est bon. Elle a bougé. Oh, mais j'ai du lierre, genre j'ai un lierre. Genre, ça me sert à quoi un lierre? Je vais mettre à 120, ça va peut-être partir à 120. Donc là, faudrait que j'arrive à tout vendre là. C'est pas mal. Donc il y a des trucs qu'on connaît maintenant, tu vois, des trucs qu'on vend et c'est ok. Arrête de regarder la fenêtre, viens acheter des trucs. Salauve. Essence de lumière, sans prendre. Je vais tenter un 200. On ne sait jamais. De toute façon là c'est des petites estimations, on tente des trucs et on voit quoi. On tente, c'est bien, tu vois. Le but chez Moonlighter est de rendre ses clients heureux. Et si jamais on le peut, escroquer les clients. Mais ça c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches. Le fluide de vie, j'en ai pas vendu encore. Je pense que ça, ça se vend cher de fou. Ça doit être rare. Courant antique, j'en ai un et c'était de la merde. Donc ça, on va le vendre, c'est toujours sans prix. On y va. Et on rappelle, un pot antique chez le vendeur, j'avoue, 1250 l'enculé. Hein. 1250 l'enfoiré. Merde. Mettre à 80. Oh merde! C'était. Ah, c'est quoi que je viens de lui vendre? C'est le fluide. Ah oh, non, le truc de lumière, c'était. Pas assez cher. Pourtant, je l'ai vendu cher. Hein. Allez hop! Quelqu'un qui n'est pas content mais qui prend quand même. Pigeon! Let's go! On a trouvé une Yankli! On a trouvé une giga Yankli, c'est parti! Bon, le lierre, on s'en fout. Hein. Ça, la barre de fer, le lierre, on s'en branle. Après, on ira chez le forgeron. On rappelle que les donjons de nuit sont plus difficiles. Donc, let's go! Let's go, let's go! T'as jamais passé le fruit, on sait jamais, hein! C'est jamais si c'est un fruit rare hein. C'est un fruit rare hein. Il s'est fait une giga marche sur tes côtes, l'autre c'est toi le lion clé. Ouais, mais de toute façon personne ne l'achète, c'est bon. Est-ce que ça s'achète ça? Oh, à 500 c'est parti hein. Le truc à 500 il est parti, genre en mode bien tu vois. Parfait, bah j'ai plus rien à vendre. J'ai plus rien à vendre. Ah parfait, c'est bon, on peut fermer. Je ferme boutique.
Je ferme boutique, les gars. Au revoir à tous. Nous avons terminé ça. Et là, nous pouvons alors pouvons aller chez le forgeron. Acheter un petit œuf. Ça, c'est 30 déplacements. Donc, ça, c'est 15 d'armure et 4 de déplacement. Ça, c'est 30 de vie et 8 de déplacement. Attends, c'est pas mieux ce que. C'est exactement ça qu'on va faire du coup. Ouais. Un petit bandana. Voilà. Donc, là, on a un bandana qui va être forgé. Et du coup, il nous faut d'autres items pour ensuite créer les trucs. Équiper rapidement. Voilà. Donc, là, on a gagné des stats. Donc, on a 30 de vie de plus, ce qui est bien. Ce qui est très très bien. Par contre, je suis pas très riche. Ça, ça va être un souci. Donc, comme j'ai dit, je veux pas faire d'épée bouclier. Ça, il me manque encore. Bah, il me manque une grosse épée. Hein. Du coup, il faut que j'arrive à créer ça avant. Ah, mais merde! Faut que je fasse ça avant. C'est comme ça, il faut que je fasse ça avant. Oh merde! J'aurais pu. Ah, j'aurais peut-être pu l'avoir du coup. Ah merde! J'ai zappé des trucs. Bon, c'est pas grave. Comme ça, pour les prochaines fois, on le saura. Le truc, c'est un jeu où tu dois refaire plusieurs fois le niveau 1 avant d'avancer jusqu'au niveau 2. Et du coup, en 2 heures, j'ai même pas fait le niveau 1. Donc, c'est chaud. Allez, on va en faire 5 encore, je pense. Attends, j'en ai combien sur moi? J'en ai 4, donc je vais en faire 6. Toujours utile. Combien sur moi? 6, 7, 9. Ah, non, merde, j'en ai une de trop. J'ai chier. Tant pis. En fait, le craft, ça demande quand même de bien farm pendant longtemps, quoi. Mais là, je vais essayer de m'aventurer dans les donjons un peu plus profonds pour voir si je peux pas débloquer des petits trucs. Là, c'est vraiment la tentative. Si j'ai la forêt, j'y vais. Mais c'est bon, si je tape et je peux pas. Donc lui m'aime bien. Okay. Non mais vas-y, je rentre dedans. Ok, le coffre a été déverrouillé. Oh, ça c'est parfait. Reste d'une fonderie 3, c'est parfait, vraiment. Donc ça c'est soit en haut, soit en bas, j'imagine. Voilà, comme d'hab. Ça c'est soit à gauche, soit à droite. Donc au final, tu commences à comprendre après petit à petit les objets, tu vois. Le reste d'une fonderie, ça fait vraiment plaisir de l'avoir loot comme ça. C'est d'en avoir 3 comme ça, ça fait vraiment vraiment plaisir. Parce que ça me permettra de faire pas mal de trucs. Avec ton super bandana, t'es devenu intouchable. Ah, mais là, on est chaud là. Hein. Là, il peut vraiment me faire. Hein. Oh, un orc! Je vais verrouiller un orc, let's go! Wow! Ouais. Donc il va me dire, il y a quoi comme mob là sur ce donjon là? Ok, ça c'est les. Je suis déjà tombé sur ça. C'est bon, ferme là, je m'en fous. Je suis tombé sur ça, en gros c'est le golem qui est un objet et tout. Oh merde, je suis déjà allé là, c'est vrai. Donc la map, ok, en bas. Tout en bas, donc. Oh merde. Ah merde, je peux tirer des flèches express en fait. Pour l'instant je suis pas encore habitué. Genre dans ma tête je suis en train d'appuyer sur des trucs et ça c'est pas fait. Attendez, on va faire un truc pas con pour éviter d'avoir le problème. Pas mal l'arc en vrai hein. Bon, tu peux pas taper en AOE, mais sinon t'es safe, on va dire. Tu fais un peu moins mal quoi. Le problème c'est qu'il me donne que du stuff de merde, genre. Oh putain. C'est un peu plus bloc. Tu sais que ces petits blocs c'est super discret, c'est super traître, hein, je trouve. Est-ce que je peux les taper là-dessus? Ça ne passe pas. C'est beaucoup plus facile avec l'arc, j'ai l'impression. Hein. C'est broken l'arc! Okay, ça dépend du décor aussi. C'est giga broken l'arc! Oh, oh nice, ça fait plaisir. Et je peux le mettre au même endroit. Oh là, parfait.
Ça fait trop trop plaisir. Comme ça, je peux le taper à l'effet tranquille. Ce qui est bien, c'est que tous les donjons sont différents et ça, c'est trop trop cool. Bah, comme dans tous les roguelikes, tu me diras, hein, finalement. Bah, 20 sur 20. Dans le pire, j'en ai besoin. Peut-être pas besoin d'autant. Là, j'en ai besoin. J'en ai peut-être pas besoin d'autant. Les branches, on s'en bat les couilles. Là, ça peut être utile. Ah, je dois retourner déjà à la base là. Le truc, c'est que je peux me faire une arme si jamais je retourne à la base. Le truc, c'est que j'ai dit que j'allais rush pour aller justement. Bon, justement, à l'étage numéro 2. Le problème étant que j'ai pas trouvé l'étage 2. Donc j'ai fait absolument tout l'étage là. Et je sais que je peux charger l'arc. Hein. En gros, si je fais. Merde, c'est pas ça. Si je fais. Voilà, c'est si je laisse appuyer X, je peux le charger. Ça fait 40 au lieu de 20. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin? Donc c'est là où j'étais, je suis un con. Je pense que je vais devoir back, les gars. J'ai envie de finir au moins le donjon, quoi. Ouais, je préfère taper comme ça, tu enchaînes beaucoup plus rapidement. Je suis pas sûr que la cadence de tir soit mieux si jamais tu en as. Tu charges et tu relâches. Ah, mais ah, ok, c'est ça la différence en fait. C'est que ça transperce les unités. Ah, ouais, en effet. Ah, ouais, en effet, c'est pas mal en fait. Donc là, c'est l'étage 2. Oh, oui! Oui, le balai, je m'en bats les couilles du balai. Oh mais vas-y, le balai me sert à rien. Le balai lance, c'est bon, vas-y, ça dégage le balai lance. Voilà. C'est exactement ce que je voulais, ça. Plan d'entraînement. Oh, j'ai même pas besoin de le craft, du coup, parfait. Parfait. Je mets des grosses patates, du coup. Ah non, non. Je vais safe. Là, je vais reculer, juste finir l'étage, et ensuite je safe. Du coup, j'ai pas besoin de le créer, mais c'est parfait ce que j'ai là. La chatte de fou là. Un arc et un grand entraînement. Let's go. Oh wow, wow. Oh, le double patate que j'ai mis là, c'était beau jeu. Mais c'est parfait. Ça, c'est le meilleur bac possible. Et je joue en difficile. Je joue en difficile. Donc je garde un truc auto-attaque, je garde un truc range et je suis bien. Dans tous les cas, et j'ai vu que si j'avais les trucs dans le coffre, c'était pas grave. Je peux avoir tous les trucs dans le coffre et ça utilise quand même les ressources, donc c'est parfait. C'est parfait. Ça j'en ai besoin aussi, donc on va le garder. Hein. Pour ça, on va garder tout ce dont on a besoin. Ok. Ça on en a forcément besoin. Ça on a besoin pour toute façon. Métal renforcé, on a besoin. Le lierre, je l'ai jeté alors que j'en ai besoin. T'as raison. J'ai besoin du lierre. Épée court d'entraînement, on va vendre ça. On sent pas les couilles. Que j'aime vraiment pas. L'épée bouclier, en fait, le truc, c'est que ça aurait pu être bien si je me servais du bouclier. Mais je me sers pas du bouclier, en fait. Et en fait, plus tu joues, plus vite t'avances et plus vite tu prends les mécanismes. Et c'est ça qui est trop bien en fait avec ce genre de jeu. C'est comme bah, comme tous les roguelikes au final où tu commences à apprendre plus ou moins ce qu'il faut faire. Merde, par contre, j'ai un mur en vente, je suis en colère. Non, mais ça, j'en ai pas besoin. J'en ai toujours besoin du cristal simulant, je suis en fou. J'en ai toujours besoin, je suis en malade. Ah. J'ai même envie de mettre ça un peu plus cher, même si c'est le truc d'entraînement, on s'en bat les couilles, on sait jamais. Mais tu vois, du coup, j'ai pas grand chose à vendre parce que tous les trucs que j'ai pris me servent à faire du stuff. Donc c'est galère. Tu as un bandeau et tu tapes avec les poings. Tu as un cosplay d'ici ou quoi, j'avoue. Oh, 800, ça c'est parti pas mal. Ok, 800, mais c'était pas abusé, tu vois. C'était pas en mode affaire en or, mais c'est parti normal. J'ai pas grand chose à vendre. Hein, parce que ça, l'énergie cristallisée à la limite, oui. Et du coup, j'ai pas fait beaucoup d'argent là sur ce moment. J'aurais pu arnaquer peut-être un peu plus, tu vois, mais bon, tant pis. Tant pis. Que ça, j'en ai toujours besoin. Les gelées, j'en ai toujours besoin pour faire des potions. Les trucs, j'en ai toujours besoin pour faire des items. Donc voilà. Et du coup, grand-mère, tu prends les cristaux et on ferme boutique. Prends tes petits cristaux et tu fermes boutique, là. Ah, dommage, j'ai rien à te vendre. J'ai absolument rien à te vendre. Allez, c'est bon, c'est terminé. On ferme boutique, madame. Voilà, nickel. Allons-y.
Là en plus il commence à faire nuit, donc c'est le moment où les donjons vont être bien et vont me dropper des trucs. Par contre les marchands, genre c'est vraiment les pigeons quoi, ils dorment jamais. Ok, donc ça il manque un peu de tissu, donc parfait, il manquera un peu de tissu et ça je peux le faire. Est-ce que j'ai les golds? J'ai les golds en plus, donc je vais me faire des bottes, parfait. Parfait, donc, je vais me faire les bottes, du coup comme ça je me fais un full stuff tissu. Voilà, oh là là, c'est parfait. Ça j'ai pas encore. Ça j'ai eu. Ça je se retire de ma liste des envies. Et il manque un objet. Donc l'objet, le seul problème c'est que je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais absolument pas ce qu'est cet objet. Et là pareil, donc on va faire le truc avec la force brute. En gros là par exemple je fais plus 20, là je fais plus 50, du coup je fais beaucoup plus de dégâts. Mais il faut que je débloque ça, le truc du milieu. Et je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est un peu le problème. Et bon là pareil, il faut une épée, mais bon l'épée on espère la drop à un moment quoi. On espère la drop à un moment et on verra. Ah il me faut une épée brisée, ok, mais il faudra 5, merde. En plus ça servait à quelque chose. Fais chier. Ouais, il faut ça maintenant. Ok, je retire de mes envies. Ok. J'ai quand même une potion, j'en ai 10. On peut partir au combat. On peut partir au combat. Je vais juste poser mes gelées. Par contre ça j'ai l'impression que j'en ai trop. Je pense que je vais en vendre après. Je vais en vendre après. Et là on est bien, là on va pas partir au combat. J'ai trop de cristaux et au pire j'en dropperai. Donc je vais en vendre, je vais en garder une dizaine. Je vais essayer de garder 10 cristaux à chaque fois. Parce que j'en ai beaucoup trop là. Mais du coup il me faut... en fait je pense pas que je vais... Je pense que je vais faire un arc. Je vais me faire un truc à l'arc. Je vais me faire arc et point gant d'entraînement. Grande épée on s'en fout, je pense qu'on va retirer de nos listes d'envie. Mais il faut un truc corps à corps et un truc range, c'est mieux. Comme ça genre je m'habitue un peu. Regardez. Ah c'était stylé quand même hein. Mais vas-y aussi, c'est bon, c'est du trolling ce que je fais. J'ai chargé deux fois, je suis tombé deux fois. Hein. C'était grave worse. Grave worse de charger le truc. Non mais lui, je peux le défoncer comme ça en fait. Ça qui est bien. Bon, lui, il est facile comme ça, tu vois. On prend pas de risque au moins. Le problème, c'est qu'il faut toucher quoi. Voilà, parfait. C'est pour ça que le truc de range, c'est pas mal quoi. Merde. Vas-y, mais j'ai chargé. Ah merde, j'ai pas chargé avec la touche. Forcément. Wow. Grave stylé. Vas-y, c'est la petite crotte, elle me casse les couilles en fait. Ok, épée brisée. Non, on s'en fout. Épée brisée, je le vendrai. Épée brisée, je le garde, mais je le vendrai, donc on s'en fout. Ça, j'en ai toujours besoin parce que ça, c'est grave utile. A chaque fois que vous voyez un squelette, dites-moi. Vas-y, je troll aussi. C'est grave ce que je fais. C'est grave ce que je fais, je vais mettre une potion. Mais en fait, j'ai un grid la fontaine. J'ai un grid la fontaine, mais faut que je la trouve. Mais si je trouve la fontaine, je peux être bien. Mais c'est le temps de s'habituer aux nouvelles armes, parce que là j'ai pas les mêmes armes et du coup c'est le temps de s'habituer quoi. Attends, allez fontaine. Ah toujours pas de fontaine là-dessus. Est-ce que je grid encore? Est-ce que je grid encore? Peut-être pas la bonne chose à faire là, c'est pas la bonne chose à faire. J'ai 13, non c'est bon. J'ai 13. Ok. Ah, pas mal, une autre épée. Le tissu toujours utile, tissu j'en ai besoin. Ok, c'est fine. Ah non, j'aurais dû grid la fontaine, j'ai utilisé une potion pour rien. Non, il n'y a pas encore le passage secret en s'attendant lui. Si, on a certains, mais c'est super aléatoire, il n'y en a pas tout le temps. Ah, quand t'enchaînes les petits coups là, ça fait trop plaisir. Non, par contre, les... Vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. C'est pas évident à contrôler hein. Oh merde. Ouais, j'ai plus de fontaine en plus. Là c'est le niveau 2. J'ai plus de fontaine, c'est le niveau 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça déjà au moins. Et je vais aller au niveau 2 direct. On va essayer d'aller plus loin.
Par contre, je troll à tomber. Donjon des golems numéro 2. Mais niveau 2, c'est souvent chaud. J'ai cru le dernier coup. Et le dernier coup. Non mais vas-y, j'ai pas voulu aller là-bas. Pas mal. Par contre, j'ai pas beaucoup de vie là. Je vais garder. Ça c'est où ça? Détruire un objet indiqué. Ah merde, ça c'est chiant. Là je garde. Merci à toi Granit, pas mal de jeu, mais obligé de jouer avec une manette, c'est mieux. C'est beaucoup beaucoup mieux avec une manette. Donc métal renforcé, j'en ai toujours besoin. Voilà. Est-ce que je peux griller de la potion? La fontaine. Aïe aïe aïe, ça c'est énervé ça. C'est très très énervé. Potion vite, deux potions vite. Ok, parfait. Oh, ça c'est pas mal ça. Ok. Là. Ok, donc je suis à 20 sur 20, mais là donc j'imagine que le sol va se briser, normal. On s'est tranquille là. Oh, il y a un trou. Est-ce qu'il tombe dans le trou? Il tombe pas dans le trou. Du coup, est-ce qu'il y a quoi là? Oh, il y a la forêt, pas loin. Est-ce qu'il y a rien du coup? Est-ce qu'il y a rien du coup? Je peux pas le faire ça. La forêt, c'est un peu chiant. On rappelle que ça, c'est 3 coups dans la même direction. Le truc effrayant, c'est ça. Pas oublier qu'ils font 60. Hein. Nice. Merde. Ça se vend cher en plus, les trucs. Hein. Ça se vend super cher, les trucs. Le cristal, je crois que c'était pas ouf. Est-ce qu'on peut tout prendre du coup, pas encore. J'ai déjà assez de gelée, je pense que je vais jeter deux gelées, tant pis. Tant pis pour les deux potions que je pourrais pas faire, mais il faut les objets de la forêt, c'est toujours utile et c'est plutôt pas mal quoi. L'objectif principal du jeu, c'est le marchandage. C'est, ouais, c'est le marchandage et en même temps la quête pour le donjon. En gros, il faut aller réussir à aller jusqu'à la cinquième porte du donjon. Pour l'instant, on en est toujours à la première. Hein. Donc ouais, et on va essayer d'avancer petit à petit, donc on verra bien. Merci à toi, tout sérieux. Là, tiens dans ta gueule, toi. Oh, t'as pas touché ça? Oh non. Oh merde, non, mimique! Oh, ça va faire trop mal. Non, ça va. En fait, il fait des petits dashs. En fait, le problème, c'est qu'il a un pattern de mob que je ne connais pas. Ok, pas mal. Oh wow! Non! C'est un objet que j'avais besoin! C'est un objet dont j'avais besoin, il est parti dans le néant! C'était pour créer une arme! C'était pour créer l'amélioration de mon gant! Oh! J'ai le seum! J'ai le seum de ouf! Je me suis fait troll de fou par le jeu là! Oh! Non! Non, 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 non! Saute. Mais quoi si je saute? Attends. Bah super, ça saute! Bien vu! Maintenant c'est trop tard! En fait j'aurais dû sauter direct, mais en fait, même si j'avais sauté, c'était pas bon. Parce que j'avais mon sac qui était plein. J'ai mon sac qui était plein. Oh, je sais. Deux potions. J'ai un combien sur moi là? On va en garder deux sur moi. Aïe aïe aïe. Tu veux faire une place? Oui, mais dans tous les cas, j'avais pas le temps de faire une place. C'est pour ça que je l'ai pas eu. Sinon, j'aurais pris le temps de l'avoir. Oh, je vais pas péter. Un débile. Genre j'ai brain lag de ouf, genre c'est... j'ai brain lag. C'est pour ça que tu le trolls. Ouais mais là c'est parce que en gros j'ai pas mal de trucs que je dois garder. Ça je revends.
Ça je revends. Bref, tout ça je revends. Bon, limite les branches, on s'en fout, tu vois. Je peux laisser une place pour les objets. Mais là, en gros, je suis sur un mood où j'ai plus ou moins les objets que je veux. Tu vois, genre. Enfin, j'ai plus ou moins ce que je veux, quoi. Ok. Ça, c'est de la merde, mais pas grave. Ok, donc il y a quoi là? J'aimerais bien échanger ça contre limite des objets que j'ai en trop, peut-être. Ça, j'ai en trop. C'est quoi? C'est du pari. J'ai beaucoup de ça déjà. Ça, ça se revend super cher, donc j'aimerais bien prendre ça. Et l'épée brisée, j'ai pas encore vendu. Sachant que je vais pas partir sur une épée longue, une grosse épée. Eh bien, j'aimerais bien le vendre. Je pense que ça se vend plus cher que la chair de plante. Ouais, je pense que ça se vend plus cher que ça. Ah, gauche ou droite, ok. Je pensais que c'était en bas ou à... Je pense que c'est mieux ça. On va essayer des trucs dans le sac, mais c'est pas très grave. Là, je peux nous soigner, mais bon. Tranquille. On se balade un peu, on va terminer le truc, voir s'il n'y a pas des petits objets rares. Vraiment, les gants, c'est trop bien. Les gants sont trop bien. Le métal, non, je sais, mais j'ai beaucoup de métal déjà, c'est ça que je voulais dire. Et donc là, j'ai déjà des objets, bon, j'ai déjà plus ou moins ce que je veux. Non, non, on va pas grid l'étage 3. On ne va pas grid l'étage 3 maintenant. Ce serait une erreur, ce serait une erreur. Et oui, le jeu, c'est Moonlighter, les gars. Pour ceux qui se demandent, c'est totalement Moonlighter. Le jeu est trop bien, genre vraiment le jeu, en tout cas moi personnellement j'adore. Genre je sais que c'est peut-être pas le meilleur jeu à regarder ou quoi, mais à faire il est énorme. Par contre ça j'ai pas la nécessité d'être là. Donc j'ai été attaqué par une rush mobile, ok, donc ça c'est bon, on s'en fout. J'ai déjà fait. Allez, on va check l'étage 3. On va check l'étage 3 vite fait, juste histoire de check, voir un peu les mobs qu'il y a, voir s'il y a des mobs de fou genre. Allez, let's go. Oh là là. Aïe. Étage 3, qu'est-ce qu'il me dit? Encore un objet perdu par cette créature gélatineuse. Celui-ci est plus simple que le miroir. Comme nos médaillons, si on lui donne assez d'or, il nous téléporte en lieu sûr. Cependant, le portail reste ouvert après utilisation. Ce qui signifie qu'il est possible de retourner d'où on vient. Incroyable et très pratique. Pour l'instant, je l'appellerai le catalyseur. Astuce, le catalyseur coûte un peu plus cher que nos médaillons. En gros, ça c'est le miroir. Le catalyseur. Ah d'accord, donc en gros si t'as assez d'or, eh bien tu peux retourner directement chez toi grâce à une porte. Imagine que c'est une porte que tu trouves dans un donjon. Imagine, hein, c'est pas dit, tu vois, genre j'en suis pas sûr. Je suis un troller aussi là, par contre, hein, c'est grave, hein. Oh! Métal renforcé, pas spécialement besoin, ça se vend bien. Volume sur les golems, ça se vendait giga bien. Oh, y'a pas un truc qui annule les malus? Attends. Regarde, détruire un objet, rentrer en indiquant. Attends. Oh bah merde, c'est pas ce que je voulais faire. C'est absolument pas ce que je voulais faire. Fais chier. Outil runique, ça c'est bien. Ça j'en ai besoin, je pense. On voit le. Attends. Pas vu. Il est où? Il est où? Hein? Il est où? What the fuck? Mais attends, mais... Il est mieux où? Ok, bon, non, tant pis, on va jeter les pots. On va jeter les pots, on s'en fout. Ah, mais il y a des trucs d'or, là, qui traînent, là. Pourquoi je peux pas prendre les trucs d'or, là? J'en ai deux. Ouais, t'as un autre truc. Pas le truc qui valent rien. Feuille robuste. Bah tant pis. J'ai deux trucs, voilà. Genre, attends. Deux pièces, c'est non, hein. Ok. Et ça, ah oui, c'est ça qu'il faut. C'est ça que je voulais. Mais il faut que je bloque le malus. Parfait, donc c'est l'envoyer directement au magasin, parfait. J'ai encore pris un objet que je ne voulais pas, vas-y tiens, voilà, ça c'est pas ça que je veux. Voilà. Voilà.
C'est ça que je veux. C'est exactement ça que je veux. Voilà, donc ça va en magasin aussi. Hop, parfait. Nickel. Donc du coup j'ai pas le malus du truc. Oh, je peux pas. La douche à chaque fois. La douche. Ok. Resto rouge, tu en as trop, jette. Ouais, j'avoue. J'avoue que j'en ai beaucoup trop. T'as raison, vous avez. Et merci à toi, Lung, pour ton don. Attends qu'il se stoppe pour venir me taper là. Oh, il m'a mis des gros 29 là. Il a deux doigts de crever, hein. Il me remettait un autre 29, j'étais mort. Bon, on s'en fout, on a pas besoin du coup. Ouais, ça c'est pas mal. Ces mobs sont pas trop durs donc c'est cool. Par contre, ils commencent à être de plus en plus tanky. C'est un problème. C'est un très très gros problème. Je sais pas ce que signifie leur barre. En gros, en haut il y a une barre et je sais pas ce que ça signifie. Outil unique. Oh, ça c'est trop bien ça. T'envoies des trucs dans, dans la boutique directe. Je m'en vais dans la boutique. Allez hop, ça va voir dans la boutique directe. Ok, il y a plein de trucs qui envoient dans la boutique là. Hop, directement en boutique. Et là j'envoie toutes mes potions dans la boutique. Et j'ai le démon. J'aurais trop le seum. L'objet se brisera si tu reçois trop de coups. C'est métal, j'en ai déjà beaucoup quand même. Ciseaux, ah ça j'ai pas. Ça j'ai pas, c'est pas mal d'avoir un ciseau là. Attends, j'essaie de placer ça un peu. Pour l'instant c'est un peu à la one again hein, mais tant pis, donc ça sert pas à grand chose. Et les trois pièces, j'en ai impérativement besoin. Impérativement besoin les trois. On va jeter deux métal enfoncé, c'est pas grave. Si je perds deux métal enfoncé, c'est ok. Parce que j'en ai déjà beaucoup et je suis pas sûr que j'en ai la nécessité d'en avoir autant. Non, c'est bon, je m'envoie le couille de ce que tu me dis. J'envoie le métal dans la boutique. Oh, c'est pas grave, c'est toujours utile, toujours utile. De toute façon, quoi qu'on envoie dans la boutique, c'est pas grave, c'est des trucs que je veux garder. Mais bon, après, il faut que ce soit des trucs que je veux garder. Ça, ça se vend bien 200-300. Ça se vend 300. Et que j'ai rien qui se renvoie directement à la boutique. En gros, ça se vend 100 chacun, voire plus. La lampe à eau, ça se vend plus. Ça se vend 100 chacun, donc j'ai pas spécialement la nécessité. Vas-y, bon. Et y'a des trucs que je peux pas sa... Oh merde, ça c'est peut-être la room de trop. C'est peut-être la room de trop, les gars. Non, c'est la room de trop. Non, c'est la room de trop. Oh non, j'ai tapé le coffre. En plus, le coffre ça devient un truc. Non. Non. C'était la room de trop. Il faut que je joue parfaitement. Non. Ça me coûte 3000 de back. J'ai pas la thune pour back là en plus. J'ai pas la thune pour back en zone safe. Vous m'aviez prévenu! Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Et je peux pas changer mes potions, c'est à dire que j'en ai combien sur moi là? J'en ai pas assez sur moi en plus. Quelle abomination! Il fait très mal. Non, non, j'ai troll. Non, j'ai troll. J'ai plus de potions sur moi! Je peux pas. Ah, si, je peux back. Je back, je m'en bats les couilles. Oh putain, j'ai eu peur, je pensais que je pouvais pas back. Oh! J'ai flippé mes grands morts. C'est bon. Parce que là, si je perdais tout, je vous jure que j'aurais eu un démon. Mais genre, incroyable, hein. Arrêtez dans le genre que tu es full depuis 15 minutes. Oh, je sais, mais c'est du grid pour essayer d'avoir des meilleurs items. Donc là, je peux faire quoi? Est-ce que je peux le faire? Ça, il manque encore des objets. Donc ça, ok. Ça, il manque du tissu. Il manque du tissu. Putain, fait chier. Et c'était surtout pour les armes, je crois. Donc ça, on va retirer dans les trucs que j'ai envie de faire. Ça, j'ai déjà. Et voilà, donc ça, je vais faire ça déjà. Donc ça, il me faut ça, mais il manque des gold. Donc je vais prendre plutôt le truc de confusion. Pour les arcs, non. Ok. Arc, je vais prendre dégâts. Et ça, je vais prendre confusion. Donc ça, ce sera... Donc il manque encore 3 ciseaux. Il manque 3 ciseaux pour ça. Ok. Et du coup, le reste, je peux vendre. Donc là, je peux vendre. Tout ce qui n'est pas... Avec une étoile, je peux le vendre. Voilà, comme ça au moins c'est clair et net, pas de soucis. Donc en gros, je vais mettre gants de combat pour les dégâts corps à corps et arc pour les dégâts long range. Mais pour les dégâts corps à corps, je vais prendre le gant de confusion. Donc le gant qui peut faire confusion. Et du coup, ce sera pas mal. Ça se revend facile. Et je crois que la dernière fois, je m'étais fait carotte. Hein. Donc je vais mettre à 250, voir si ça part.
Non, y a pas de souci, ça part sans aucun problème à 300. C'est pas mal, hein. Ouais, ça part à 300 aussi. Donc là, j'ai des trucs qui se vendent bien. Il y a des trucs qui se vendent pas mal. Le fluide de vie, je crois que ça s'était vendu un peu trop facilement. Donc je vais le tenter à 600. Je vais ranger des trucs. Je vais regarder un peu ce que j'ai dans mon coffre. Là, je vais le mettre là. Souci. Le ciseau, j'en ai impérativement besoin. Le fer, j'en ai plus besoin parce que c'était pour les épées et du coup, ça, je peux le vendre. Ça, c'est pour les équipements, donc ça, je garde. Et je vais en garder une dizaine de ça. Donc là, il m'en faut genre. Merde. En gros, je vais garder tous les autres trucs où j'en ai besoin, tu vois. Genre, ça, j'en ai besoin donc. Je garde. Outil, qu'est-ce que je peux mettre deux? Je peux mettre deux les uns sur les autres. Ok, donc ça, j'ai besoin. J'aime peut-être trop, mais on n'a jamais trop. Donc pour l'instant, il vaut mieux que j'en ai trop plutôt que pas assez. Donc si j'en ai besoin aussi, ça je vais vendre. Mais en gros, je vais en garder 10. J'ai trop de cristal rouge. De cristaux rouges. Je vais faire des potions ensuite. Ça je vais vendre. Ça j'en ai besoin, donc je garde. Les trucs de pièces d'or, je vends. Sur les golems, je vends. Donc là, le but est de vendre tout ce que j'ai sur moi. Donc vraiment, le but, c'est de vendre tout ce que j'ai sur moi et de drop du tissu. Faut impérativement que j'arrive à drop du tissu sur le prochain round. Vas-y, on ouvre la boutique et là, il y a moyen de se faire beaucoup de thunes. Donc là, selon vous, là, je suis à 828 de thunes. Je peux aller à combien d'argent? Je peux aller à combien? T'as deux coffres, tu t'en fous, garde. Non, mais genre, il vaut mieux que je vende et comme ça, genre, ça me fait un peu de thunes, ça peut me servir. Ah, ok, non, ça c'est trop cher. J'avais fait à 500, c'était parti, hein. Mais 600, c'est abusé apparemment. Donc vas-y, on va faire à 100. Enfin, 500. Il y a moins que je me fasse vraiment beaucoup de thunes là-dessus. Ça, non, ça part. Les cristaux ils partent à 1200, c'est très bien. Il y a moins d'être vraiment pas mal, hein. Il y a moins de se faire pas mal de thunes. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait moyen d'améliorer la capacité du sac pour le moment. Voilà, donc c'est pas mal. Allez, hop. Déjà, ça m'est très très bien. Ok. Ça, j'avais vendu, mais ça s'était pas vendu très très cher. Ça, c'est pareil, c'est des trucs qui se vendent à 100. Ça se vend super bien, donc ça n'y a pas de soucis. Je vais tenter à 400. C'est du grid, hein. C'est du grid à 400, mais non, ça devrait peut-être partir. L'eau, bon, ça, je pense que c'est un peu cher là, le papy. Il va me dire, même pas, 250. Alors que j'en ai vendu plein à genre 150, 180. Genre, du coup, 250 pièces, c'est parfait. Oh, il le vend, prend quand même. Il prend quand même les pièces d'or, pigeon, alors que c'était trop cher. Let's go. Hey, parfait. Ah, j'ai grave pigeonné, le bolos. Ça, si ça part à 300, c'est insane, hein, par contre. Hein. Ça, si vraiment ça part à 300, ça va grave m'aider. Allez. Let's go. Là, on est pas mal. 300 pour le bouquin, je peux peut-être augmenter parce qu'à chaque fois, il part facilement à 300. Il part facilement à 300 à chaque fois, le bouquin sur les golems. Ah, merde. Cher. À 250, c'est à dire que j'en ai peut-être pas vendu ça. Hein. J'ai peut-être pas fait gaffe, mais j'en ai peut-être pas vendu avant, j'en sais rien. Donc je place un objet, attendez. Ça, j'en ai toujours besoin, donc ça c'est ok. Ça, c'est de la merde par contre. Ça me fait des vieux 300 par 300 et ça me fait perdre beaucoup de temps. Il me faudrait plus de place. Il me faudrait un truc avec plus de place. Oh, cher. Oh, il le prend quand même. Le papy qui se fait carotte. Allez hop, la baguette à 3 € qui vient de prendre là. Désolé, papy. Les affaires sont les affaires. Il était déçu, mais il a pris, donc ça va. Oh merde, mais attends. Oh, ça part pas, ça. C'est embêtant. C'est très, très embêtant, ça. Je crois que j'en ai pas vendu, en fait, des trucs comme ça. Je crois que j'en ai pas vendu, en fait, ça, le problème. Ça même pas 100, les trucs rouges, mais non. Je vais mettre à 150, on verra. Parce que j'avoue que là, depuis tout à l'heure... En fait, je les avais à 300 de base. Parce qu'il y en a peut-être qui sont partis à 300. Mais ça m'étonne. Parce que là, 200, ils les achètent même pas. Donc je pense que ça vaut moins cher. Donc vous avez raison. Genre, vous avez très certainement raison. Et là, on va pas tarder à faire une boutique, fait chier. Vite, 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 faut que ça vende, faut que ça parte, faut que ça parte. Ok, c'est bien, ça part, ça part. Donc là, faut que j'arrive à mettre des trucs de merde, là. Genre, ça se vend, vas-y, deux, on s'en fout. Le truc, c'est que là, je commence à être sur les objets qui servent à rien, genre. Vraiment, les objets qui servent à rien. Je suis un troller, pourquoi je mets pas ça, du coup? À la place de ça. Ça se vend beaucoup plus cher. Il a rien pris le violin. Ah, ça a fait nu, j'ai pas encore tout vendu. Fais chier. Il va faire nu, j'ai pas encore tout vendu. J'aurais pas le temps de tout vendre. Après, j'ai fait beaucoup de thunes quand même, hein. Mine de rien. J'ai fait beaucoup de thunes.
Oh, les cristaux, c'est trop cher encore. Les cristaux, c'est beaucoup trop cher encore. Okay. Donc, je connais pas encore leur prix de vente, c'est un peu compliqué quoi. Donc là, les deux prennent. Parfait, les deux prennent, c'est nickel. Voilà. Allez, les deux papis qui achètent, c'est parfait. Mais lui, il fait quoi lui? Vagabonde dans ma boutique, gros! Achète! Dommage. Bon, on a vendu pour combien? On a vendu quand même pour. On a vendu quand même pour 14 000. Mais non. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, c'est le seul? Attends, je comprends pas. Non, il n'y a pas ce que j'ai vendu dans la journée. Et là, t'as la popularité de l'item qui monte ou qui descend. Ça, c'est intéressant aussi à savoir. Ok. Bah, écoute. Pas vendu le bouquin? Oh, j'avais un bouquin ici! Non, j'ai pas vu! Oh le con! Oh le con! Merde, ça m'aurait fait un petit 300 en plus, ça aurait fait plaise. En vrai, c'est pas grave, je le vendrai plus tard, mais ça me fait un peu chier quoi. Un peu chier. Ça me fait un petit peu chier, ouais. Ah, dommage. Bon, là, il faut que je fasse des potions. Faut que je fasse des potions encore et que j'y retourne. De toute façon, ce sera vendu après. Hein. Au pire, ça partira dans le miroir. Tu sais quoi, ces objets de mer, ça partira dans le miroir. Ça, ça va. Ça, ça me servira à faire une potion, donc OZF. On y va. Ah, j'ai un peu le seum. J'avais pas vu. Mm-hmm. De toute façon, sur ça, il me faut ça. Donc, il me manque encore des objets que je ne connais pas. Jusque là, ok. Pas de. Donc, la tissu, comme j'ai dit. Et là, pareil, des objets que je ne connais pas. C'est pas grave. Jusque là, on est bien. Pour le gant, donc là, il me manque 3 ciseaux. Ouais, 3 ciseaux, je crois. J'ai assez de trucs. Et l'arc, je peux le faire. Donc, je peux faire l'arc amélioré. Ça, c'est pas mal. Donc, je peux faire l'arc amélioré. Donc voilà, j'ai l'arc amélioré qui fait du coup plus de dégâts. Et je vais me faire quelques potions, sachant que je n'en ai plus énormément. J'en ai combien? J'en ai 4. J'en ai 4 qui ne sont même pas équipés. Donc en gros, je vais en faire 6. J'essaie d'en faire 6 tranquillement. Attends. Passe là. Je peux plus bouger. What the fuck? C'est chelou. Et mon 2. On va sortir toute ta vie une potion vitale pour les donjons les plus difficiles. Donc, ok, donc ça c'est vraiment les trucs hardcore quoi. Donc, ça c'est vraiment les trucs de very late game. Ok. Ça partira dans le donjon. Donc, OZF. Ok, donc tissu les gars. Objectif, tissu, ciseaux. Donc, j'ai déjà un arc de niveau 2. Donc là, je commence à être pas mal. Je commence à être vraiment pas mal. Ah oui, enchanté, c'est vrai. Mais ça sert à quoi d'enchanter? Je vais regarder. Je vais vérifier. Je vais vérifier si ça sert vraiment à un truc de fou ou pas. J'avoue que tout à l'heure j'ai regardé, mais vu que je pouvais pas le faire, ça m'a pas interpellé. Et j'avoue que ça peut être intéressant. Ah bah oui, je peux les enchanter. Ah, ça me donne des stats. Ah ouais, ah oui, d'accord. Je vais enchanter mon arc. Je vais enchanter les deux. Moi je suis plus dégâts quoi. Focus 3. Ah mais du coup tous les trucs rouges c'est super utile. Ça coûte quand même 2000 hein. Ça coûte quand même 2000. Comment ça coûte? Ah l'arc c'est 16 000. Ah ok. 2000 pour gagner un peu d'armure. Je pense pas que ce soit très utile, sachant que je vais les améliorer après. Donc en gros je vais pas perdre de l'argent sur ça, sachant que l'armure et le bandana, je vais les améliorer. Donc les bottes et le bandage, je vais les améliorer. Donc en gros autant améliorer, enfin autant enchanter l'amélioration plutôt que d'enchanter le truc de tier 1 qui sert pas à grand chose. J'ai enchanté les gants parce que les gants, même si c'est un truc de tier 1, je m'en sers beaucoup. Et j'en suis encore bien loin de l'amélioration des gants. Donc j'ai amélioré pour l'instant mon mes trucs que je peux quoi. Voilà. Donc tissu. Putain. Oh c'est énervé. Wow. Oh putain. Ça a tellement augmenté mes dégâts. C'est un délire là. Hein. Là c'est vraiment un délire hein, quand ça a amélioré mes dégâts. Hein. Regardez, hop, là ça fasse faire tout. 80 oh. Ah ouais. Ah ouais, trop bien. Parfait, donc ça toujours utile. L'épée longue, enfin l'épée cassée, ça ça va être pété donc on s'en fout. Voilà, ça de toute façon on va le casser donc on s'en. Enfin on va le vendre, on s'en branle. Oh mais ça c'est un full arc en fait hein. Voilà les ADK encore broken exactement. Arcus en fait c'est lui qui a raison hein, depuis le début hein. ADK égale broken roll hein.
one shot. Hop, on va se mettre de ton côté. Oh le bâtard, il s'est tourné. Donc, toujours utile les trucs rouges du coup pour l'enchantement. Donc je vais garder tous les trucs rouges. Hein. Bon, je savais pas que j'en avais besoin à ce point là. Mais du coup, je vais les garder comme ça sera ok. Et je pense que. Alors, ça c'était vraiment du trolling par contre. Grave. Et je veux pas utiliser de potion pour l'instant. J'ai pas besoin de utiliser de potion, hein, clairement pas. T'es sûr que l'enchantement part après l'amélioration? Je pense, ça me semble logique parce que les améliorations des autres trucs sont vraiment. Non, dans ta mère. Oh, ça a dévié mon. Voilà, beaucoup plus simple en tant qu'AD carry. Effet d'un malus adjacent bloqué. Ok, bon écoute. Ça. Ça, c'est l'objet random. Manque de thunes. Et à chaque fois, je veux stack le plus d'objets possible, mais. Après, il y a des endroits où j'ai pas besoin de me battre en fait. On s'en fout. Parce que eux, ils me donnent des trucs pour faire des potions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de trucs pour faire des potions actuellement? Pas certain quoi. Je vais peut-être en avoir besoin vu que je troll. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va, tu vois. Genre, je suis ok pour la construction de potions, j'en ai toujours assez. Je vais quand même en garder un au cas où. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce que j'ai pas visité encore? Ah, au milieu en haut, ok. Au milieu en haut. Ça sent la communication commerciale, ce jeu est sympa. Ça sent absolument pas la communication commerciale. J'ai acheté le jeu de ma poche 20€ et le jeu est trop bien. Mais genre vraiment j'adore. C'est un jeu que je voulais tester de base depuis un petit moment et c'est le genre de jeu que j'adore. En gros les roguelikes, j'adore les roguelikes. Clairement le jeu est vraiment ouf. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ok, à droite en bas. À droite en bas. Parfait, donc là je me soigne. Nickel. Est-ce que j'ai une map forêt là? Mass item, bon, mass item de merde, hein, bon. Il aurait écrit c'était EP, exactement. Par contre, là, j'ai une mauvaise chance. Putain! J'avoue que ça augmente quand même bien les dégâts, hein, de rien. En fait, c'est quand même beaucoup de mobs, je préfère faire ça quand même beaucoup de mobs. Prendre ceci. Ah, il n'y a pas de forêt là. Il n'y a pas de forêt là dans cette partie du jeu. C'est qu'il faut que je le fasse taper le mur. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le tuer? Vas-y, tape le mur là. Enfin, le 64, il fait quand même très très mal. Hein. Ah, le problème, c'est qu'il donne des objets de merde. Bah écoute, hein, j'étais full. Hop, là, on y va. Ça fait un peu penser à Isaac, je sais pas si tu connais. Oui, je connais. Après je préfère, tu vois limite, je préfère ça Isaac parce qu'en gros Isaac est le problème du j'aime pas l'univers. Alors que là l'univers j'aime trop, les musiques j'aime trop. Là où Isaac j'aime un peu moins quoi. Tu vois par exemple dans les roguelikes je préfère Hunter the Gungeon à Isaac, tu vois. Et je sais que c'est un blasphème pour tous les joueurs de Isaac qui diront ouais non mais c'est pas possible, c'est pas vrai, blablabla. Mais en vrai, moi je préfère quoi. Ouais, chacun ses goûts tu me diras. Voilà. Il y en a qu'un, et ça j'en ai plus besoin. Effet, un malus adjacent bloqué. Donc moi je mets ça où je veux. Il y en a un donc on s'en branle. Et ça, au plus que c'est vulgaire branche. Le vulgaire lierre. Allez, on s'en branle. De toute façon dans les deux cas, les deux vont disparaître. Allez, on tape le mur. Oh, il a pas tapé le mur. Ah si, je vais trop loin. En fait j'ai des roulettes qui vont trop loin. Oh nice, une potion. What the fuck? Oh je peux pas vraiment ça encore. Bah, écoute, toi c'est très simple. Hein. Ah non, c'est pas très simple. Faut que j'aille dans ton dos. À moins que, à moins que. Ouais. Ah, c'est cool, il est vraiment pas simple en fait. Je dois jouer comme ça. Ah si, en vrai ça va. Il est facile. Ça j'en ai 5, ça j'en ai besoin, ça je vais le vendre, ça a besoin de cher. Voilà, parfait. Donc les cristaux j'en ai toujours besoin.
ça on s'en branle. Le truc c'est que j'en ai un là, un seul c'est pas ouf. Allez, je vais prendre plutôt les deux trucs là. J'ai pris la potion ou pas hein? Juste. Merde, j'étais à 45. Moi j'étais déjà à 109. Oh là, c'est un niveau combien? Niveau 3 déjà? Allez go. Allez go! On va directement au niveau 3. C'est quoi là? C'est les balls. Oh nice! Un passage secret. Tout est calculé. C'est juste un truc pour stocker des objets. Ça me fait un peu chier quand même de stacker deux objets là. On verra, déjà faut que j'arrive à en sortir là. Oh y'a. C'est cool, il a un bouclier. Y'a un petit délai en fait à chaque fois que je suis. Ah, j'ai beaucoup de mal. Après ça, je perds pas beaucoup de vie, mais j'ai beaucoup de mal sur les roulades. En gros, c'est pas, bah, c'est comme je vous l'ai dit, pas de diagonale. Et du coup, bah, quand tu sautes, t'as une certaine distance de saut qu'il faut que tu gères. Enfin, t'as la diagonale, mais les distances de saut sont, ils peuvent pas être gérées, quoi. Ok, parfait. J'ai failli mourir, j'avais 5 de vie là. J'ai obligé de mettre des potions, par contre j'aurais dû rééquiper un autre truc. Oh pauvre con. Allez, cogne-moi. Et c'est cogné aussi. Donc je tue pendant ce timing là. Parfait. Donc là il faut que j'équipe ça. Tant pis, je vais utiliser les potions que je peux utiliser là. Et je vais essayer de découvrir des mobs, tu vois. Parfait. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'intéressant là. Après, le coffre. Le coffre envoie que tu. Attends, quoi? Le coffre que tu as vu, c'est pour vider ton inventaire, ça envoie tout là, jusqu'à tes coffres. What? Attends, vous êtes sérieux? Ce serait giga broken. Moi je pensais que c'était juste un petit stockage que tu pouvais faire comme ça. Mais attends, mais si c'est ça, c'est broken. C'est ça, c'est giga broken. Genre, c'est un délire. On va voir. Oh, on va tout mettre, hein. Je peux faire ça, je suis un connard. Alors je me fais chier, genre. Enfin, j'ai pas pris les potions comme si. Ah non, j'en ai plus. C'est trop bien. C'est trop bien. Ah merde, j'ai plus de place. Donc là, j'ai un coffre full. N'empêche, j'avoue que je vous ai fait confiance de fou. Parce que imaginez, genre, si je perdais tout, c'était foutu, hein. C'était foutu, là. Genre, j'aurais eu un seum de malade. Et je vous ai fait confiance. Donc, vous êtes des hommes de parole, le chat, les gars. Oh merde. J'ai pas prévu ça. Oh putain. Ça, c'est chiant. Ça, c'est pas. C'est pas si simple à aller chercher que ça, hein. De rien. Ce truc s'allume, là. En fait, faut que je les enchaîne vite, tu vois. Ça attend que je tape. What? C'est un truc kamikaze! Dans ta mère. Ah, la forêt. La forêt des objets rares. Objets rares et inédits. N'oublions pas que lui, c'est 64 de dégâts. Encore une fois. Ça ne selon pas le coup que tu veux prendre. Mais une fois que tu comprends, c'est simple. Lui, c'est 3 coups d'un côté. Après il se tourne vers toi, il refait 3 coups. Donc le pattern est géré. Le pattern de ces deux trucs est géré.
Ah, je peux pas le taper en fait, je vais juste l'éviter. Ouais, c'est ça, je vais juste l'éviter. Mais chier, y'a rien. Y'a pas un truc secret là? Y'a pas une salle pour rien quand même, attends. Ah si. J'ai plus que deux potions, ça commence à être chaud. Ah, j'avais un coffre ici, ok, parfait. Oh, ancien plan de golem. Un truc de malus bloqué. Ça, c'est quoi ça? L'objet se brisera, attends. Voilà, on va mettre ça là. Plan de golem. Ça, c'est volume sur les golems, ça se vend très très bien. Un outil unique, c'est parfait. Attends, merde. Voilà, parfait, on bloque ça. Et ça, ça peut être toujours utile si jamais on a un objet intéressant. Allez, go. Nice, une fontaine, ça me vient. C'est bon le coffre, non? Je vous parlais du coffre que je viens de prendre, on est d'accord. Et donc là, il y a un coffre aussi. Donc ça, c'était vraiment le truc le plus simple. L'objet indiqué devient... Quoi? L'objet indiqué devient cet objet en rentrant en ville. Attendez, déjà, je prends. L'objet indiqué revient... devient cet objet en rentrant en ville. C'est quoi ça? Plante golem, plante golem. Oh, une plante golem, là. C'est un délire, là. Ça, plan de golem 3, plan de golem 1, plan de golem 2, plan de golem 3, ancien plan de golem. Donc là j'ai quoi en fait? J'ai plan de golem 1, plan de golem 3, plan de golem. Enfin, plan de golem 1, plan de golem 3. Il me faudrait un plan de golem 2. Je sais pas si j'en ai un. Parce que là en gros je les ai là, les objets que j'ai à peu près. Okay. Attends, mais. C'est du trolling s'ils nous font là. C'est-à-dire que là si je mets ça, imaginons, je mets ça là, cet objet là. Devient la chair de plante devient un plan de golem 3. On va faire des trucs hein, écoute, on va voir hein. Là, il me faudrait un truc en mode le truc de droite genre devient machin. Ce serait du giga troll. C'est pour doubler tes objets, ok. Allez, on verra bien. Merci à toi Red le BG pour ton nom. Des fois ça donne 3 coups, des fois ça en donne qu'un. Genre ça me rend fou vraiment hein. Ok. Détruire un objet indiqué rentre en ville. Envoie immédiatement l'objet en ville. Ok, bon, de toute façon ça changera pas grand chose. Je vais envoyer en vrai ça change. Donc je vais envoyer ça de toute façon vu que je compte le vendre. Vas-y hop. Ah bon, envoyer en ville. Ça a annulé le malus et du coup ça me l'a pas envoyé en ville. Mais putain de merde. Mais putain de merde. Je deviens fou. Je deviens fou. Attends, par contre là je suis en train de transformer ça en ça. Offre plein anyway. Donc ça j'en ai pas spécialement besoin pour le moment. Mais c'est toujours mieux d'en avoir deux que d'en avoir un. Allons-y. Je suis parti où là? Wow! Oh merde! Oh merde! Oh merde! Let's go! Roi des golems! Ok, donc là ça tombe des trucs, j'ai compris ça. Non! Oh quoi ça? Oh! Oh mais putain c'est super chaud. Faut que je fuis. Non faut que je fuis, j'ai pas assez de stuff là. Pour l'instant les deux patterns que j'ai vus sont pas trop trop durs. Ok. Là c'est l'œil. Combien de potions? En fait, le seul truc qui est un peu dur, c'est. Ok, donc là, il va m'envoyer son point, j'imagine. Logique. Et là, il va faire. C'est...
C'est pas mal. Pas j'ai contre potion. Si j'ai plus de potion, j'arrête. Donc là, il balance sa main, c'est quand il met beaucoup, quand il m'écrase, ok. Si je prends un autre coup, je retourne base. Je prends un autre coup, je retourne base. Parce que je peux le faire, mais je pense que j'ai pas fait assez le stock de potions. Retourne base. C'est mort, je peux pas. J'ai plus de potions sur moi. Je pense que j'aurais pu le faire si j'avais eu plus de potions. Et si jamais j'avais mieux joué. Mais là, c'est trop risqué de tout perdre. Donc je préfère retourner en base maintenant. Là, c'était super chaud. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et même à l'arc, en vrai, je pense que ça aurait été chaud. Genre, je pense que je fais moins de dégâts. Là où je fais 32, 32, 64, j'aurais fait 40, 40, 40. Ça aurait été un peu galère. Et là, j'enchaîne vraiment. Donc je pense que l'arc, ça aurait pas été ouf, tu vois. Donc après, c'est ce que je pense. C'est peut-être pas le cas. Hein. Je dis pas que ça aurait été 100% vrai ce que je vous dis ou quoi. Mais je pense que ça aurait pu ne pas être ouf. Bon. On verra bien de toute façon. De toute façon, j'aurai l'occasion de me rebattre contre lui. Donc je m'en fais pas trop. Mais j'ai pas très bien joué. Pas très bien joué. Et je pense qu'à l'arc, ça aurait pas changé grand chose. Ça aurait peut-être été plus safe, mais dans tous les cas, tu vois, genre l'animation est plus lente et tout, c'est un peu galère. Quoi. On place des trucs. Ça, c'est direct ici. Ça se vend bien, on le rappelle. Voilà. Allez, prenez. Il me faut plus de clients. Plus de clients. Voilà. Allez, achetez mes bouquins sur les golems. J'ai testé de vendre ça, on verra. Les feuilles, je sais pas combien elles se vendent, j'ai pas mis de prix, attendez. Je pense que c'est peut-être pas ouf. Peut-être pas ouf. Je mets ça à 300, on verra. On verra bien, c'est une tentative. Hein. Allez, c'est bon. Parfait. Tir unique, je pense que j'en ai besoin. De toute façon, je sais que ça se vend. Ça, c'est parfait. Allez, on y va. L'argent. Ah merde. Ça se vend peut-être plus cher, ça. Et oui, je sais que 33, 30, 30, 30 plus 60, c'est égal à 40, 40 plus 40. Mais le truc, c'est que j'enchaîne beaucoup plus vite. Ah, les trucs des golems, ça se vend beaucoup plus cher, en fait. C'était une affaire en or que je lui ai donné, là. Sur le bouquin numéro 1. Merde. J'ai mis un peu trop bien là. Or à 800. Je teste des petits trucs. Par contre là je fais vraiment beaucoup de thunes. Hein. Je rends beaucoup de thunes. Donc là j'ai des trucs à reprendre là-dedans dans le coffre. Je vais revendre. Voilà. Comme ça par exemple. Ça par exemple. Ça c'est de la merde. Ça c'est vraiment j'ai des trucs qui ne servent à rien genre. Ça, je vais vendre ça. Encore une affaire en or. J'ai mis tellement cher en plus. J'ai mis à 900, c'était une affaire en or. Attends. C'est du 1002 qui va partir là sur les bouquins. Attendez, messieurs. J'ai mis à 900 le truc. Gros, dans ma tête, c'était genre vraiment. J'étais en galère quoi. J'ai encore des trucs à prendre dans mon coffre. Ça c'est pour faire les potions, ça. Là, je vais juste stack ça. Ça me sert toujours. Y'a quelqu'un qui a pris un truc à vendre, pour l'instant rien. Pas dans mon coffre. Le métal est là, B. Le métal, ah je peux augmenter ça. Pensez ? On va voir. Tu sais qu'à chaque fois c'est une offre en or que je propose sur le métal, donc vous avez peut-être raison. Vous avez peut-être raison, peut-être qu'on peut le monter à 250. Parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Mais attends, mais il a acheté à 1200 là. Il a acheté les 3200 gros. Mais on va aller farm l'étage 4 hein. On se fait trop de thunes. Le mec qui a acheté le premier, j'avoue, il s'est mis bien de fou hein. Il s'est mis trop bien le premier. Ah ouais. C'est abusé.
Les bouquins que tu vends, c'est tellement pète, je devrais les garder, je peux tout doubler avec stuff, item, etc. Ouais, mais bon, pour l'instant, j'ai besoin de thunes, donc. Pas trop molle, quoi. Ça, j'en ai pas là. Vite, j'ai l'impression. Attends. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Et l'épée brisée, pour l'instant, je sais pas encore comment ça se vend. Parce que je veux pas faire d'épée lourde, donc en gros, je préfère vendre les trucs. Maintenant, ça va, allez. C'est pas mal, on vend bien. Mais je pense qu'on va enchaîner 2 jours de vente pour vraiment tout clean. Parce que j'aime pas avoir un truc qui n'est pas clean. Putain, mais j'ai tellement vendu. J'ai tellement bien. De toute façon, ça, on s'en fout. Mais le truc, c'est que j'ai trop de trucs de merde. Genre tout ça là, toutes les dents de pierre, les barres de fer, on s'en bat les couilles. Genre, on s'en bat les couilles, genre c'est grave. Mais là, je vais acheter des trucs pour améliorer mon magasin un peu. Je vais commencer à améliorer mon magasin pour avoir plus de spots de vente, etc. Et ça va être pas mal. Mais j'imagine à la fin tu dois avoir un truc de malade. Hein. À la fin tu dois vraiment avoir un truc de malade. Là j'imagine que c'est terminé pour la journée. Ok parfait, c'est pas mal. Honnêtement on a fait de très très bons bénéfs. On a fait d'excellents bénéfs. GG à nous. Après ça je peux... Merde, c'est pas ça. Voilà. Là, j'en ai toujours besoin. Ça, de toute façon, il y en aura toujours besoin des cristaux stimulants. Ce sera soit pour faire des améliorations, soit pour faire des trucs. Là, j'en ai pas besoin, mais ça me fait chier. Je vais refaire une journée de. Je vais refaire une journée de vente, comme ça, je vends tout ce qui est là et je me clean un peu du tout, quoi. Parce que là, genre, ça me fait tilt. Ça me fait tilt de fou d'avoir des trucs qui me servent à rien. Genre, tu vois, genre ça, je m'en branle. Tu vois, tous les trucs là, je vais les vendre. C'est... Même si ça se vend pas cher, go, tu vois. Okay, donc c'est bon. Je vais vendre toutes les merdes là. Ça, j'ai pas donné de prêt encore. Tiens, là, je vais mettre à 1000, on verra. Que ça, j'en ai pas spécialement besoin non plus. Mon autre coffre est vide. Oui, mon autre coffre est vide. C'est pour ça, en gros, moi j'aime bien que tout soit clean, tu vois. Recher l'épée. Okay. Je vais peut-être abuser sur l'épée rouillée là. Non, j'ai pas mis ça très cher. Hein. 500, ça va. 500 pour une épée qui peut te permettre de fabriquer une autre épée incroyable. C'est pas mal, hein. Là je vends toutes mes merdes, tu vois. Je sais pas si vous êtes comme moi, genre moi... Oh merde. Donc j'ai mis à 1000 et c'était pas assez cher pour le truc runique. Donc le truc runique à 1000, la prochaine fois, on va peut-être doubler le prix, les gars. Ça a peut-être un petit doublage de prix sur le truc runique. Cristal, on sait à peu près comment ça se vend, on vend toutes nos merdes. Pourquoi tu ne rushes pas jusqu'au 3ème étage? Mais je vais faire ça là. Là je vais essayer de faire ça pour le dernier run, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de faire un dernier run, sachant qu'il est déjà 18h. Donc ouais, ça me semble un peu chaud là. Ça me semble un peu chaud de faire ça. En tout cas ouais, c'était grave cool. Je sais pas ce que vous en avez pensé du jeu. Moi je vais essayer d'avancer chez moi et... Ok, trop cher l'épée toujours. J'ai pas changé le prix de l'épée. Et du coup j'essaie d'avancer et vous verrez ma progression la prochaine fois. Parce que là on a terminé ce créneau. Et la prochaine fois bah, je serai déjà au niveau max. Je serai déjà au niveau 10 et tout. Alors je serai au max. Donc là l'épée a été vendue. Déçu ? Mais pigeonne! Donc magnifique, heureux. Ah, voilà, là c'est clean, tu vois, là c'est clean, plus rien à vendre. Je regarde quand même là-dedans si j'ai pas un petit truc à vendre. Ok, ça. Oh là, non. C'est troll. Troll de ouf là. Ouais, merci. J'ai un peu peur quand même. Voilà, juste ça à vendre en plus et ce sera parfait. Ça, je vais mettre à 300. Parce que c'est parti à 250, mais genre facile. Peut-être à 300, ça part. Hein. On sait pas. Hein. Reste ce truc de chat. Mais je vais faire les vidéos sinon sur YouTube, les gars. Vous en faites pas, vous aurez le petit truc sur YouTube et ce sera cool. Je vais essayer de faire la suite sur YouTube parce que vraiment. Tyrannique, j'en ai pas besoin. Hein. Tyrannique, je vais le vendre à 2000. Vous savez quoi? On va se faire des thunes là. On va se faire des thunes les gars, c'est le moment. Parce que 1000 c'était un prix en or. On va voir si 2000 c'est un prix en or. On va voir ça. Ah merde, j'ai pas mis le prix. J'ai un troller aussi. Putain, j'ai jamais vendu ça. Ça c'est pas ouf je pense. C'est vrai que j'ai pas mis... Et ça, feuille robuste, bon à part... Après c'est les trucs de la forêt, c'est peut-être un peu plus cher, hein, j'en sais rien, on va voir. Et merci à toi Hades pour ton resub. Merci. J'ai vu que j'avais pas mis le prix, je suis un troller. Toujours une affaire. Ah, une affaire en or les feuilles.
Mais du coup, le truc à 2000, elle était un peu déçue, mais elle a acheté. Et les feuilles, j'aurais pu les vendre plus cher. Donc, ok. Et ça, j'imagine que ça vaut rien, quoi. Ça, c'est sûr. Ça vaut que dalle. Genre, ça doit valoir 50, allez, go. Et tu vois, là, on est clean. Genre, là, j'aime bien. Genre, avoir un coffre comme ça, qui est clean, qui est rangé, je sais pas. Moi, ça me fait plaisir, tu vois. Voilà. Là, c'est. C'est parfait. Tu vois, là, je suis heureux. Genre, l'organisation est bien, c'est propre. 2500 litres sur nuque. Mais là, j'ai vendu à 2000, elle était un peu dessus, mais elle a quand même acheté, hein. Ça c'est de la merde, hein. Ça c'est vraiment le truc, allez, c'est qu'on s'en bat les couilles, on va le vendre à 20. Ils seront très contents. Donc 2000, je pense que ça dépend peut-être aussi des modes du moment. Attends, achète. Ah non. Ça fait tâche de ouf. Bah, écoute, on a terminé pour cette journée, c'était pas mal, voilà. On va sortir, on va améliorer notre truc, on va améliorer notre boutique. On va venir dans notre magasin parce qu'on l'a pas encore fait. Donc boîte promo pas cher, caisse en métal pour avoir des comment on appelle ça, des pourboires potentiels. Un lit à 4000, un petit coffre. Donc, pour l'instant j'en ai pas spécialement besoin. Ça c'est bien, ça par contre c'est très bien. Comme ça j'ai un magasin beaucoup plus grand. Ça c'est vraiment bien pour le coup. Et du coup je pourrais mettre beaucoup plus d'objets à vendre et c'est mieux. Mais moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est est-ce que je peux augmenter la capacité de mon sac quand je suis dans les donjons. C'est surtout ça, moi, qui me fait chier. Genre, vraiment, ça me rend ouf. Non, ça, on s'en fout. La boîte promo, ils ont cru que je voulais vendre des objets moins chers. Oh, les cons, ils ont pensé que je voulais vendre des trucs moins chers. C'est des malades. Donc ça débloque juste un peu. Donc là, il manque du tissu. Tissu, j'ai toujours pas farm, hein. Le tissu, je galère, hein. Donc le claw, il manque, comme on l'a dit, des ciseaux comme, des ciseaux comme tout à l'heure. Et ça, il manque beaucoup de trucs. Donc j'ai, c'est 64 000 déjà, et il manque des objets, j'imagine, d'un autre donjon ou d'un truc comme ça. Donc j'ai combien? J'ai 0 potions, donc je vais essayer d'en fabriquer 10. Je vais essayer de fabriquer une dizaine de potions déjà, ça me mettra bien. Et ce sera pour la suite. Ce sera pour une prochaine fois. Donc je peux en faire 10, parfait. Je peux en faire 10. Je vais toujours faire que les petites... Merde, j'en ai farm un peu trop là. J'en ai fait une de trop. Pas grave. Tant pis, tu vois. Là, j'ai pas mal de potions. Je ferai même peut-être un slot de potions supplémentaires parce que c'est vraiment très très important. Et donc là, bon. Au moins, tu vois, le plus de potions j'ai, mieux c'est. Donc, on va voir notre nouvelle boutique et on se laissera là-dessus. Regardez ma nouvelle boutique, comment elle va être trop stylée. Ça, c'est du bon boulot, hein. On va voir. Regardez. Ma nouvelle boutique, on va voir si elle est grave stylée ou pas. Surtout que j'ai une nouvelle caisse maintenant pour faire des thunes. Oh, trop bien! C'est totalement différent, j'ai une table supplémentaire pour vendre des trucs, ça va être incroyable! Et je peux lire, wow, je peux me mettre à lire, incroyable. Eh bien, écoutez, je sais pas si cette session de live vous a plu, mais moi en tout cas j'ai vraiment kiffé, genre j'ai vraiment vraiment adoré. On a joué 3 heures sans se rendre compte de l'heure, donc j'avoue que j'ai pas spécialement fait gaffe à l'heure, j'avoue que c'est passé super vite. Et c'était vraiment cool, donc ouais. Merci à vous d'avoir regardé les gars. On se retrouvera du coup pour une suite de Moonlighter une prochaine fois ou quoi que ce soit. Donc pour suivre un peu l'avancée du jeu. Et je pense que ça a une bonne durée de jeu parce que là j'ai fait 3 heures et j'ai même pas terminé le premier donjon, sachant qu'il y en a 5 et à chaque donjon il y a 4 étapes. J'ai même pas été jusqu'à la 4ème étape dans chaque donjon. Donc enfin si, là j'ai été sur le boss des golems que je pense pouvoir battre. Là actuellement je pense pouvoir le battre. Si je fais mon stock de potions, quoi, je pense pouvoir le faire. Je choque moins, que je commence à comprendre un peu les patterns. Mais j'avoue que c'était vraiment vraiment cool. Donc merci à vous d'avoir regardé. Sur ce, pour tout ce qui était sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires et à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux.